Psaume 144. Psaume 146.
Psaume 147. Cantique du Nouveau Testament 5. Donne-moi, Seigneur, ton corps, pour vivre avec Christ.
De la lettre aux Hébreux au chapitre 12. Ainsi donc, nous aussi, entourés d'une immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Thank you.
D'un cœur renouvelé par l'Esprit, rendons grâce au Dieu vivant. Tu es béni, Seigneur, éternellement. Ta bonté et ta grandeur manifestées dans la création, pour les rythmes du temps et le repos du septième jour. Pour l'homme et la femme créés à ton image et à ta ressemblance, pour la vie nouvelle que tu nous donnes dans ton Fils, pour la fidélité de l'Esprit, l'amour qu'il répand dans nos cœurs, pour sa grâce plus puissante que notre péché, pour les anges et les saints qui veillent sur nous, et pour le paradis où tu veux nous rassembler avec tous nos défunts, prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,